Lundi 27 septembre, il fait beau et il y a du vent. Encore un jour comme les autres, dans un lycée comme les autres. Film, car on ne m'a pas appris comment faire. Les profs ne sont pas assez qualifiés pour nous expliquer. Merci mes couilles pour nous avoir donné quelques jours de plus pour finir. Pardonnez le vocabulaire. Je m'inquiète encore pour les thunes, je m'inquiète encore pour la fac, je m'inquiète encore pour les filles. Je m'inquiète encore pour l'infection à ma bite, mais je suis trop gêné pour aller voir un docteur. Je m'inquiète encore de savoir si mon film sera fini à temps pour le festival. Je m'inquiète encore de savoir si Cendrillon va aller au bal. Eh oui, j'écris encore mon putain de journal intime. Mais je suis toujours un adolescent. 19 ans. On dit que c'est 1,81 ans en âge humain. Le jour où j'ai 20 ans, est-ce que je vais arrêter de m'inquiéter et apprendre à aimer ces putains de bombes? Vais-je arrêter de me demander qui je suis et ce que je branle ici Désolé, mon vocabulaire n'est pas si vulgaire d'habitude. Je veux dire, qu'est-ce que je fais sur Terre Qui suis-je sur Terre On m'a toujours fait des éloges pour mon imagination à l'école. Regardez-moi maintenant, adaptant mon journal en un film. Faire un film à propos de moi. Winston, le chien comme les autres, dans une ville comme les autres. On s'en fout même d'où je suis. Autobiographique, semi-autobiographique, mais quelle originalité de merde. Vendredi 1er octobre. Il fait beau et il fait froid. Ce matin, j'ai finalement vu le docteur. J'avais vraiment peur pour ma vie. J'ai raté la moitié de mes cours d'art pour montrer ma bite à mon docteur. C'est vraiment embarrassant de montrer le petit gabarit de mon organe. Je souhaitais vraiment pas en parler. J'étais assis dans la salle d'attente, les yeux fermés. Je pensais aux grands moments de ma vie sexuelle, comme un vieux monsieur pense à ses grands jours de gloire en lisant des vieux articles de journaux. J'essayais vaguement de rester en érection. Trois mois que je m'inquiétais d'avoir la syphilis. C'était juste de l'eczéma. mardi 5 octobre. Il fait beau, il y a du vent, il fait chaud et froid. J'ai finalement le numéro de téléphone de Patrick aujourd'hui. Il est supposé traduire mon script. Il pensait que j'étais arrogant quand je lui ai dit que je voulais faire un film comme le film de Jean-Luc Godard que j'avais vu au lycée. J'avais aimé ses films. Mais hélas, Godard et moi avons eu un désaccord en 1967 par rapport à son film Weekend. Vendredi 8 octobre. Il fait noir. Je dois sortir maintenant mais la rue est pleine de merde. Nom de Dieu. Je ressemble à Travis Bickle quand je parle. Sauf que lui n'était pas piéton. La nuit dernière, j'ai vu un mec avec un marteau ou quelque chose comme ça au coin de ma rue. Et aujourd'hui, j'ai vu plein de gosses jouer dans la rue tout seul le soir. Ça m'énerve, ça. La poupée à 50 euros qui par les marches que tu as achetées à ta petite sœur va bientôt prendre vie. Et crier, taper, pisser, chier. Le nom soi-disant créatif que tu lui as trouvé va lui peser sur le dos à vie comme un fardeau. Patrick s'occupe de mon script demain. La date finale est jeudi. Bon, on dirait que Cendrillon va finalement y aller à son bal. Il ferait mieux de rentrer avant minuit, où son carrosse se retransformera en citrouille.